Depuis les 12 dernières années, j'œuvre à la conservation de milieux naturels autour du Mont-Saint-Hilaire et depuis peu dans la région de Granby. Ma motivation première est la protection de la nature. Et on ne peut pas penser au développement durable sans s'occuper du capital nature a priori. La démarche du Centre de la nature en matière de conservation de milieux naturels et en développement durable est intéressante puisque, dans le fond, c'est une approche résolument non conflictuelle. En fait, c'est tout à fait contraire à la représentation qu'on peut se faire d'un groupe environnemental ou d'un groupe d'écologistes. On se plaît à dire qu'on est des défenseurs de portes ouvertes. On ne fait que saisir les opportunités qui se présentent à travailler avec des acteurs, avec des personnes, des citoyens, des propriétaires, à conserver des milieux naturels. J'ai milité pendant 7 ans de temps pour protéger mon premier milieu naturel, qui faisait à peine 5 hectares. C'était anodin. Mais j'ai rapidement fait le calcul mental que 7 ans pour 5 hectares, à ma retraite, j'aurais pas fait grand-chose de significatif. Et au terme de la démarche au Centre de la nature, bien, c'était 5 hectares et plus qu'on arrivait à protéger à tous les ans en épousant plutôt ou en travaillant avec les gens qui pensent un peu plus comme nous. Un leader en développement durable doit avoir une sensibilité, savoir reconnaître la controverse, la diversité, mais pas assumer son leadership avec arrogance, mais plutôt avec sensibilité. C'est-à-dire de se dire, bon, bien, sachant qu'il y a telle controverse ici, bien, je vais travailler avec tel groupe d'acteurs pour tenter de réaliser la vision qu'on a des choses, puis d'être inclusif. Parce que souvent, quand on fonce dans un projet ou dans une démarche et tout, les barrières s'estompent d'elles-mêmes. En fait, l'odieux, c'est de vouloir faire la démonstration que ce qu'on pense, ce qu'on voit, la vision qu'on a, on est capable de la mettre en œuvre. Alors, le leadership à l'échelle municipale, je pense que c'est d'avoir de la vision. Et je pense que c'est ce qui fait la différence d'une municipalité qui est proactive en développement durable par rapport à une qui est plus réactive. C'est de bien comprendre les enjeux, bien comprendre les acteurs encore et de pouvoir voir comment se trame le développement durable, qui est un développement asymétrique, un peu chaotique, parce que dans le fond, on innove, on fait le pari que le compromis du développement durable va être plus profitable à long terme. Donc, à chaque fois qu'on investit dans la conservation de la nature, je pense qu'on crée de la richesse, en fait. Développement durable, c'est de repenser notre rapport à l'économique, au social et à l'environnemental. Mais honnêtement, pour moi, conserver la nature, c'est créer de la richesse. En fait, c'est simple, on crée de la rareté parce qu'on retire des milieux naturels, soit de potentiel de développement minier, forestier ou urbain. Et donc, on crée de la rareté. Puis en créant de la rareté, on accorde de la valeur à ce qui est rare. Donc, c'est toujours de remettre les choses en perspective puis de rappeler, en fait, que chaque dollar investi en environnement, c'est une aubaine aujourd'hui parce que demain, ça nous coûtera 10 fois plus. Souvent, on a tendance à caricaturer hein, les bons et les méchants en environnement, ceux qui font du développement durable et ceux qui n'en font pas. En fait, je pense que les gens sont habituellement tous de bonne foi. C'est-à-dire que en 2009, il y a encore des gens qui n'arrivent pas à épouser la complexité dans toutes ses ramifications. Et donc, ils adoptent une attitude plus sectorielle et dans leur silo d'action, ils font du mieux qu'ils peuvent. Et donc, c'est à nous de trouver des stratégies, des processus qui soient suffisamment significatifs pour leur faire voir leur faire voir des processus qui donnent une valeur ajoutée à leur façon d'être, à eux. C'est plutôt dire, mais comment peut-on mieux faire? C'est de partir souvent de leur perspective à eux, puis d'être assez humble pour tenter de la bonifier. Mon nom est Marc-André Guertin. Je suis créateur de valeur, me dit-on, et j'ai longtemps travaillé au Centre de la nature comme coordonnateur à la conservation, et maintenant j'ai le privilège d'être coordonnateur en environnement pour la ville de Granby.